Éternel espoir, l'œuvre d'une jeune prodige de la littérature, son nom, Guy Rachel. À 18 ans, Guy Rachel a publié son recueil poétique. Une œuvre qui veut faire de l'espoir une force et un acharnement à vouloir sortir d'une condition malheureuse. À l'instar de la musique, l'auteur, au travers de sa poésie, a voulu communiquer une émotion particulière, ses propres émotions, d'où son poème hommage à son ami Charles décédé. Poème intitulé « Zouzou Wanda Charles ». C'est un texte dans lequel l'auteur est naturel. En même temps que c'est de la poésie est réputée être un genre où il y a beaucoup de phares, beaucoup de, voilà, d'esthétique autour. Mais en même temps que cette esthétique-là, elle est présente dans le texte avec les figures de style et autres. Mais on sent aussi la sincérité dans les mots. C'est-à-dire c'est l'auteur qui se raconte. Elle raconte sa vie, elle raconte son expérience, son rapport aux autres, son rapport à la société. Révélée par le biais d'une plateforme littéraire, Guy Rachel est étudiante en troisième année de licence au département d'allemand à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Éternel espoir est sa première œuvre. Elle compte ne pas s'arrêter en si bon chemin.